How many times do I? How many times do I hear you say I'm sorry? I'm sorry. You assume that I look the other way and pretend there's no need to worry. To worry. Bonsoir tous les gens qui demandent je vais faire un live sur quoi. Regardez en dessous de la vidéo, il y a marqué, c'est écrit, il suffit de regarder. Vous avez le jeu. Vous avez le live, vous regardez le live là, vous avez le chat sur votre droite. Il faut regarder juste en dessous, vous avez catégorie MX Simulator. Et c'est que je vais faire du MX Simulator, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça, il suffit de les... Oui, je vous engueule déjà dès le début. Et alors, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous allez faire? Merde, j'attendais, j'ai oublié d'allumer la cam. Excusez-moi, attendez. Si j'ai oublié d'allumer, ça va pas le faire.
C'est en regardant là-haut, je me dis merde. Pourquoi c'est éteint? Je fais mon boulot qu'à moitié, ça ne va pas. Je n'ai rien réglé. Bah dis donc, il y a Mixway, il y a de la déception là dans le travail. C'est bon, je suis là les gens. C'est tout bon, c'est tout frais. J'avais oublié d'allumer ça. Là, forcément, ce qui me sert à me voir, et j'avais pas réglé ça non plus. Donc forcément, il y avait du schmilblick, mais c'est bon, tout est good. Non, pas très pro, je suis d'accord. Je conviens, ce n'est pas très pro. Mais bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui sont là. Je voulais tester un truc aujourd'hui, mettre mon chat à droite. On peut tenter ça, et mettre ça par là. Moi, je dis ça se tente. Parce que comme ça, vous aurez moins l'impression que je tourne la tête quand je lis le chat, parce que vous êtes juste à côté. Donc c'est pas mal. Même si du coup, faut que je regarde en bas. Mais bon, c'est pas grave. Je peux faire bizarre. Ouais, pas grave. Mais yo, yo à tous ceux qui sont sur le chat. Yo, bonsoir à toi. I'm Midzi. Bonsoir à toi, Arthur. Bonsoir BG Tennis. Bonjour Benji. Bonsoir Cam. Bonsoir Cameron en route. Bonsoir Elium. Bonsoir Flamine Talisker. Tata. Salut à toi, welcome, bienvenue ici, installe-toi, je t'ai vu hier sur le serveur. Welcome. Bonsoir à toi, Gaz Sec. Bonsoir à toi, Cortolo. Bonsoir, Gros Lolo. Bonsoir, Guigui. Bonsoir, Eddy. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir, Kawa. Bonsoir, Louis. D'ailleurs, Kawa, tu vas être content aujourd'hui, vu la moto que j'ai pris. Bonsoir à toi, Mathis. Bonsoir, Maxi Cross. Bonsoir, MGHVA. Bonsoir à toi. M. Landruat, bonsoir à toi Nascam, bonsoir Olivier, bonsoir Red, bonsoir SuzMX, bonsoir Tax, bonsoir Chepa, bonsoir Twitch, bonsoir Hugo Raza, bonsoir Valentin et bonsoir à tous ceux qui ne sont pas encore sur le chat. Merci à Matteo Siurana pour le follow, merci, merci à toi, I'm Midzi pour le follow, merci à Twitch pour le follow, merci à Raft pour le follow, merci à Ziu pour le follow, merci à Team Lazerki pour le follow et merci à tous ceux qui ont follow, merci, bienvenue. Oui, t'as mon Discord, Guigui, il est juste en dessous du live, regarde juste en dessous là, à peu près par ici normalement, tu as donation juste en dessous, tu as Discord, je vais te chercher un peu, mais bonsoir, bienvenue sur le live, bienvenue. On va être parti pour faire du MX Simulator, comme écrit dans le titre de la vidéo, qui est juste ici aussi, je le rappelle. On va faire du MXS classique, du MXS rank, comme d'habitude. Pour Flow, tu cliques sur le petit cœur là-haut. T'as le petit cœur, tu cliques dessus. Mais ouais, on va partir sur du MXS rank. On va faire des petits classements. Actuellement, je suis pas trop mal classé. Puisque je suis... Oh, j'ai perdu une place. Je suis 10e. Donc on va essayer de rechoper le top 10. Ça commence à être bien serré, ça commence à bien monter, donc c'est cool. Mais il y a moyen qu'on monte bien, on a 1627 de Hello. Merci à toi Zavatar pour le follow. Ah non, le host, merci à toi pour le host. Ça fait encore plus plaisir, merci. Merci à toi aussi Tommy Good pour le follow, tu vas pas dans pas trop longtemps. Tout s'arrange sur toi, impeccable. Go top 5, ça va être chaud top 5, hein. 1743, ça veut dire qu'il faudrait que je gagne plus de 100 de Elo ce soir. Ça va être compliqué je pense, ça dépend comment on va jouer, on verra bien. Ils sont 14 sur le serveur, après il y a du monde sur le serveur donc il y a moyen. Un bon shot qui est bien placé, pourquoi pas. D'ailleurs en parlant de shot, donc j'y pense, je vais changer ma place sur la grille parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Toby Good, merci à toi pour le follow. Salut Picsou, ça va bien et toi? Ça va bien. On va se mettre à l'inter. Voilà. Non, c'est bon, on va être à l'inter. Mais ouais, bienvenue, welcome. On va se connecter au serveur quand ce sera fait. Je vais jusqu'à quelle heure? Minimum 21h, on verra peut-être plus. On verra en fonction de comment je joue, tout simplement. Ouais parce qu'il Hugo Raza par rapport à ton message là, c'est parce qu'il est pas signé.
Mais tu peux l'installer, hein. Au pire tu désactives ton antivirus et tu l'installes, c'est pas grave. Ouais, let's go, on va se faire l'intro malaisante de YouTube, comme d'habitude. On va couper cette musique et on va aller sur le live, sur le jeu, comme d'habitude, hein. On a l'habitude. Merci à toi, Théo DNS, pour le follow, merci. Mon jeu est en train de se charger. Jeu plus cam. Impeccable. Au pire, je préfère limite même faire l'intro sur l'écran d'accueil de MXS. Salut, j'ai commencé MXS il n'y a pas longtemps, 2 semaines, et je voulais savoir si tu fais des stages pendant les vacances. Non, j'organise pas de stage sur MXS, désolé. Yo, Red Bat, mais du coup, tu pourras pas dire YouTube parce que mon chat, on ne voit jamais sur YouTube. Désolé. Du coup, c'est parti pour l'intro malaisante. Et on se retrouve juste après. Les graphismes du jeu sont pas foufou exactement, Gartolo, mais le gameplay et la physique du jeu est juste dingue. Tu vas vite comprendre en fait quand je vais jouer pourquoi on joue encore tous à MXS. Tu verras, tu comprendras très très vite. Salut, bienvenue, on se trouve sur MX Simulator pour faire du MXS comme d'habitude. Encore une fois, on est en live sur Twitch, twitch.tv/mxwaygamer. Donc ce que tu vois actuellement sur YouTube, c'est juste un replay en mode monté. Donc si t'as envie de voir ça en direct et de venir discuter avec moi comme actuellement les plus de 70 personnes, bah n'hésite pas à venir sur ma chaîne Twitch, tu as le lien juste en dessous dans la description. Comme je disais, on va faire du MXS Rank, et pour ceux qui se demandent mais qu'est-ce qu'MXS Rank, je ne connais pas, what else, what, il nous a parlé de MXS Rank, il nous parle de MXS Rank, je suis perdu, je mets une petite vidéo d'intro, et on se trouve juste après pour que tu comprennes tout ça. Bienvenue sur MXS Rank. MXS Rank est un système compétitif innovant pour MX Simulator. La compétition n'est plus à une date donnée, mais 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Pour ce faire, chaque joueur dispose d'un score reflétant son niveau. Ce score est le Elo. À la fin de chaque course, en fonction de leur position, le Elo de chaque joueur augmente ou diminue. Tout dépend devant qui ils finissent, mais aussi derrière qui. Donc chaque place compte. Afin de varier les plaisirs, les tracks du serveur changent toutes les semaines et sont choisis parmi ceux qui ont reçu le plus de votes sur le site. Quel est mon but ultime? Avoir le Elo le plus élevé et décrocher le grade légendaire sur MXS Rank. Maintenant que tu as compris... Oula, attendez, j'ai pas le fond. Maintenant que tu as compris de ce que c'était ce MXS Rank, on va juste aller voir mon classement sur le site pour se mettre un point de début de course. Et ensuite, on verra à la fin du live, à la fin de la vidéo, combien je suis classé. Pour le moment, je suis pas trop mal, je t'avouerai. Hop. Puisque nous sommes dixième, on est juste ici, voilà. Et on a 1627 de Elo, sachant que le premier est 1811. Mais c'est assez compact encore vu qu'on est au début de saison. La saison finit dans 73 jours, c'est écrit juste ici, donc on a encore un peu de temps. Donc on va continuer de monter. Et tranquillement, on va essayer de monter déjà, pas perdre trop de place, que au niveau de mes stats, c'est pas ouf, ça oscille un peu dans tous les sens. Même si ça monte plus que ça descend. Bon, le classement descend parce que forcément les gens jouent plus, donc je perds quelques places. Mais si on met sur monthly, weekly, on voit quand même que mon Elo est plutôt en courbe de progression. Donc ça c'est cool. On va essayer de continuer de monter et de monter le plus haut possible, tout simplement. Donc let's go, on va se connecter au serveur et on est parti pour ce MXS Rank. Et voilà l'intro. Tu feras quoi au prochain live? Pourquoi tu veux déjà savoir ce que je fais au prochain live, Thomas, alors que j'ai même pas encore commencé celui-ci? Oh là là. Je ne sais pas ce que je vais faire au prochain live, je ne sais pas encore. Sans doute, je sais pas. Yo El Patron, et merci à toi, Tiwi, pour le follow, merci à toi, Little Kamora, merci à toi, Lucas, merci Babi Cool, pour le follow, merci à tous, merci à tous les quatre, merci à tous ceux qui sont sur le live, merci.
Putain, Stunty, c'est toi qui es mort, c'est pas moi. Moi, je live depuis début septembre, là, genre pour les lives, hein, tout le temps, là, toutes les semaines. C'est toi qui es mort. Hein. C'est toi hein, qui donne plus de nouvelles. Ah oui, j'ai sorti la tenue camo, donc je risque de faire de la merde aujourd'hui. Donc, à mon avis, on va finir avec 1002 Elo. Hein. Pour ceux qui n'ont pas compris, c'est une private joke qu'on a sur cette chaîne. Hein. C'est juste que bah, dès que je mets la camo, je fais de la merde. Je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais sortir le camo pour voir ce que ça donne. On verra bien. Fais quelque chose en dehors de YouTube. Ouais, je suis étudiant. Je ne suis pas à YouTube à plein temps, tout simplement parce que je ne peux pas vivre de YouTube. Ouais, faut que je fasse du MXP 19. J'ai plus qu'un seul GP d'avance. J'en ferai sans doute. On verra le prochain. La camouloupe, la qualif est une place près. Ouais, on va voir. Tu vas voir. T'inquiète. Il n'y a pas de qualif sur ce jeu, c'est la principale. Je vais aller chercher l'eau juste avant et je reviens. Non, je vais baisser ma manette, elle tombe pile poil au-dessus. Et me revoilà, c'était rapide. Et j'ai bougé mon fond vert. Et c'est good. Donc ouais, on est parti, let's go. Elle est bien physique de MX Bike. Elle paraît bien à tester. Faut vraiment que je me remette dedans. Mais le problème c'est que c'est un jeu qui est à peu près aussi dur à jouer qu'MXS. Donc il faut s'y mettre sérieusement pour réussir à faire quelque chose de bien. Sinon ça devient vite compliqué. Tu penses te mettre à jouer plus régulièrement à Xbox? Je sais pas, faut déjà que je le retente. Après, le problème d'Xbox, c'est que la communauté est toute petite par rapport à une communauté MXS. Donc à voir, je sais pas du tout. On verra. Si jamais je suis motivé. Et ouais, du coup, j'ai sorti la Kawasaki, petite tenue camo avec le casque Shift. La tenue qui est plutôt sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué avec cette petite Kawa. Donc on est reparti. A savoir que je suis toujours sur le moteur de la CRF, hein, je suis toujours à la physique de la CRF, juste que j'ai mis la Kawa dessus. A tout à l'heure, Tintin. Ouais, MXBuy est d'ailleurs uniquement disponible sur PC, que sur PC, El Padro, sur Steam. Tu marques MXBuy et tu vas le trouver. Twitch Team, t'as pas dû t'inscrire sur le site, ou si tu t'inscris sur le site, tu t'es trompé dans ton UID. Faut bien t'inscrire sur le site pour faire une course sur le serveur, sinon tu peux pas. Bon courage Tintin, 1300 de vélo, ça peut se faire. Mais non, Camo va pas tenir, pas porter la poste, vous allez voir. Bah gérer tout ça. T'en es 21, c'est cool. Ça reprend du poil de la bête, la MXS Rank. Bon, y'a qui a pas. Ah bah non, c'est bon, nickel. Bon, allez, let's go pour cette première course. On enchaîne direct. Ouais, tu peux jouer à MXS au clavier. J'ai joué pendant 6 mois. C'est plus compliqué qu'à la manette quand même. Tu vas progresser moins vite. Mais tu peux, si tu veux vraiment t'y mettre, tu peux. Salut Evan, salut. T'es sur serveur et dit bah bonne course. Bonne course à toi. Merci à toi, Sowax Diamond V2 pour le follow. Merci, tu apparaîtes dans 3, 2, 1. Maintenant, merci. Et du coup, on était 10e avec 1600, je sais plus combien de Hello. On va regarder ça tout de suite. On est tout à l'intérieur, ça c'est nickel. On est 10e avec 1127 de Hello. Il y a pas mal de Hello. Il y a pas mal de gens. Donc là, c'est parti. Il y a Talisker à côté de nous. Le fameux, le célèbre Flaming Talisker. Allez, let's go. Pour cette first course sur Minetop. On enchaîne avec un petit all shot plus. Ça c'est bon. C'est un live qui commence bien. Petit plus 21 points, nickel. Parce que oui, il y a des bonus de all shot sur le serveur, j'ai mis ça en place. Pas mal de temps maintenant, hein. Pas mal de gens sont au courant, mais il y a des petits bonus de all shot. Pour ceux qui sortent bien.
On gagne quelques points. Merci Toxy pour le follow. Merci Sky pour le follow. Merci à vous. Désolé, alors là je vais un peu moins lire le chat forcément. Vu qu'on est parti sur une course, en plus on est bien parti. Il y a moyen de marquer plein de points. Donc on va essayer de bien jouer. Allez, monte. Ouais, go. Bon, petite chute, ni vu ni connu. On va essayer de se reconcentrer. Non, le son n'est pas assez fort. Non, je règle mon son et je tombe. Merde. Je fais de la... C'est la première course, c'est normal, vous inquiétez pas. Ne dites pas que c'est à cause de la camo, ce n'est pas vrai. Les premières courses de la journée, c'est toujours un peu compliqué. Allez, maintenant, au moins, ça fait du spectacle pour vous. On peut remonter tranquillement. Attention à 2,50 devant parce que du coup je risque d'arriver plus vite moi en bas. J'ai eu de la chance sur ce coup là. Oui maintenant je prends inter ici, puis exter. Il y a pas mal de tracks qui vont changer la semaine prochaine parce que Mindtop j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il est là. On a encore le campagne de Shadrid qui est là cette semaine. Il y a pas mal de pistes qui sont là encore depuis pas mal de temps je trouve. C'est méchant ce que j'ai fait. J'en ai pas une à la place de l'autre. Le petit flip que je lui ai claqué en pleine course. Je ferai pas un. Hein. Je l'ai tenté une fois, c'est bon, maintenant je le tente plus. Hein. J'ai voulu mettre le kilo, c'était l'occasion vu qu'il était juste à côté de moi. Je lui ai dit tiens allez. On va le claquer, le petit front, le petit flip. Histoire 2. Maintenant on se concentre et on remonte. Oula, 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 attendez, 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 je suis pas focus, là je fais de la merde. J'ai les erreurs que je fais jamais normalement. Ouais, alors les terrains peuvent être là 3 semaines d'affilée en fait. Au bout de 3 semaines, ils jartent s'ils ils sont plus proposés au vote. Mais ouais, ils peuvent quand même être là 3 semaines d'affilée. Au moins, ça permet de garder les bons tracks que tout le monde aime quoi. Typiquement, lui, du coup, tout le monde l'aime. Enfin, j'en conclue que tout le monde l'aime, hein, vu qu'il reste. Bon, allez, il y a la quatrième place juste devant, là. On a moyen d'aller la chercher, quand même. T'en as bien pris, là, le virage. De se chauffer, sa première course. Et je sais pas pourquoi je stresse un peu alors qu'il n'y a aucun stress à avoir sur ce serveur. C'est juste tu joues tranquille, quoi, tu chill. Et si t'as envie de faire des bons points, tu peux quand même rouler tranquille, quoi, et chiller. Bon, on fait pas le fou, hein. Hop, on saute normal. Ouais, ça commence à venir là. Ça commence à bien chauffer. Je dis ça et je vais m'arracher le prochain saut, tu vois. Comme d'habitude, j'ai envie de dire. Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le live, bonsoir. Désolé, je lis pas beaucoup le chat, je suis en pleine course. Je pense que vous pouvez comprendre ça. Je suis en mission pour le podium. 5 petites secondes, ce n'est rien. Je suis beaucoup trop intérieur là. Mais ça passe quand même. Il faudrait plutôt que j'aille chercher l'extérieur moi. Pour que je serais plus rapide.
Attention, l'autre, il peut attaquer à tout moment là. Toujours le petit whip ici. Oula, j'ai eu chaud. Allez, on se concentre, on reste focus. Parce qu'il y a moyen de marquer des gros points là quand même. On est plutôt bien parti même. On approche de la fin de la course, 6 minutes, ouais. On va rentrer dans le dernier tour à mon avis. Mais on est quand même plutôt bien placé pour cette première course de la journée. Juste aucune monsieur là. C'est que le scrap que j'ai fait là de la marche, je le maîtrise pas énorme, mais il est bien passé. On a dit qu'on allait chercher l'extérieur ici pour être un peu plus rapide. Ouais, je sais pas, je pense qu'on était plus rapide. Oula, c'était chaud là. Ouais. Attention à la peur, ça passe. Attends, c'est bien. C'est bien parce que vu que le track est là depuis pas mal de temps, on a bien les enchaînements, on les a bien. Faut être bien aigu dessus. Voilà, nickel là la vitesse. C'est propre ça pour le rattraper avec le trip devant du coup. Il n'a pas fait l'enchaînement, donc moi je l'ai fait, je l'ai bien rattrapé. C'est maintenant qu'il faut tout donner là. Si je veux le doubler. Faut mettre la pression, faut lui montrer qu'on est là. Ce serait cool qu'il y ait encore un tour, qu'on puisse aller voir un peu plus. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir encore un tour. Nice, c'est bon ça. C'est une bonne nouvelle. Ouais, il y a encore un tour, c'est sûr même. Allez, on impose le rythme. On est plus rapide que lui. On a moyen de remonter largement. On va faire le con. Et montrer que cette malédiction du camo est terminée. C'est tendu là. Passer avec un inter. C'était propre là le dépassement MXWay. Attention représailles quand même. C'est bon, on a passé l'enchaînement. On est à peu près tranquille, je pense. On avait passé le plus compliqué là, il n'y a plus que le plus simple, MXWay, allez. Commençons sur une bonne note avec ce petit podium. Pour moi il est tombé derrière. Nice MXWay. Petit flip pour fêter ça.
Nice, être monté en plus, 3ème place. Nice, 1,57 au tour-temps, je suis pas très rapide. Hein. Mais je l'ai bien tenu. C'est cool, ça fait plaisir. J'espère que ce début de live vous fait plaisir, parce que là, on a commencé très, très, très fort. Comme quoi, le camo est peut-être fini. Peut-être que la malédiction du camo est enfin terminée. On ne sait pas, on le saura très vite. Bonsoir de Bretagne, bonsoir de Versailles, bonsoir à toute la France. Bonsoir à toute la France. Yo, Alex, yo. Je sais pas si je veux Nation de Vernet, je sais pas, j'attends qu'on m'invite. Donc si Milestone, WD40 et tout, vous passez dans le coin. Vous me passez un petit coup de fil là. Et vous me dites, ouais, on t'invite à Vernet, vas-y, viens, tu vous feras payer. Merci. Ouais, beau combat en tout cas, ça jouait vraiment la régularité. Et je suis content parce que j'ai doublé vraiment à la réglo quoi, sur l'intérieur. Je vais recouper la trace, ça n'a pas pu trop réaccélérer. C'était propre. Franchement, ce genre de déplacement, j'aime bien. Faut oser y aller. Parce que du coup, la trace inter n'est pas la plus rapide. Mais quand tu arrives à bien la prendre, bah du coup, ça passe bien. Et j'aurais pu le doubler là aussi en prenant un peu mieux mon virage. Je pense qu'avec la vitesse, j'aurais pu l'avoir. Sortant extérieur. Mais c'est pas évident. Parce que tu fais pas l'impulsion au bon moment, Waxam. C'est vrai que l'impulsion, c'est pas évident, parce que tu fais vite ça en fait quand tu fais une impulsion. Et encore, moi ça le fait même pas avec mon setup. Je sais que mon setup est plutôt stable à ce niveau-là des impulsions. Mais ouais, si tu fais un mauvais impulsion au moment, tu fais ça en fait. L'impulsion 5-7, faut vraiment le faire dans le bas de la bosse en fait, dans le creux et pop, ça va te faire monter. Tu veux vraiment que je fasse un front flip le Dimor? C'est un peu gentil. Merci Prex pour le follow, merci à toi. Bram, je sais plus si je dis merci. Et easy le front flip, gars, même pas besoin de toucher la manette. Je peux t'en faire sur chaque saut, quoi. C'est devant toi, Arthur, que j'ai fait le flip. Et on garde la troisième place même avec les pénas, parce qu'on n'a pas eu de pénalité tout simplement. Et le quatrième a eu 5 secondes de pénal en plus. Oh, on était large. Même si on lui a collé au cul, on aurait pu prendre la place. Et pourtant, Arthur, je t'ai pas touché. Hein. Je l'ai fait passer propre le flip. Désolé. Après, c'est réglo. Hein. Je t'aurais touché, je t'aurais gêné encore. Ouais. Mais il était plus que réglo mon flip. Hein. C'est juste que tu attendais pas d'avoir un mec qui passe ça de l'intérieur. What? Et faire what? Je le maîtrise à fond, c'est pour ça que je l'ai fait. Je le maîtriserais pas sur ce boss là, je l'aurais pas fait. Hein. Après là, ça roule pas mal. On est 24 sur le serveur. Donc déjà, je vais marquer plein de points là, à mon avis. Je force sur les starts, comme ça au moins les gens ils vont passer la course. Non, faut un PC milieu de gamme, je dirais, Erwan. Evan, plutôt, excuse-moi. Faut pas un PC de fou non plus. En tout cas, ce live commence bien, ça fait plaisir. Et on est 98, ça commence encore super bien. Merci à toi, Kezol, pour le follow, merci. Un bon live qui commence bien, un mercredi soir qui commence bien, c'est cool. Vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives, franchement, ça fait plaisir. Sandbox MX, alors lui, attention, on peut vite partir à la faute. Donc, on va essayer de bien jouer. J'ai un problème ce week-end, à une course, j'ai fait premier. Officiel, on contacte-moi sur le Discord de MXS Rank. J'ai passé plus 29 points. Impeccable, on passe 8ème. Nickel. Envoie-moi un MP et on réglera ça ensemble. Allez, go. On va pas faire le shot là. On va juste essayer de pas tomber au début parce qu'il y a beaucoup de monde en inter. Pas faire le con et on aura seulement à remonter en plus comme ça. Bon, ma trace est un peu dégueulasse, on est d'accord.
C'est juste que je voulais à tout prix prendre l'exter. Parce que je maîtrise pas trop les autres traces. Allez, go. C'est parti fort là quand même. Mais c'est un tracé qui est pas très complexe, donc forcément les gens vont attaquer fort. Je l'ai entendu arriver, lui, je me dis, c'est sûr, il va me découper dans le virage. Et c'était le cas. Petit wall ride sur le mur, comme d'habitude. Oula, il va faire chier le monde, lui. Allez, avance. Je l'avais vu, mais j'ai pas réussi à l'éviter. Oh, sérieusement? Je me dis, allez, je prends pas l'inter. Je me dis, allez, on va quand même. Non, au revoir. Dégagez. Hello, Ben Castor. Hello. Ça bug chez vous? Moi, ça ne bug pas. Aucun drop, je suis moins dans rien. Ouh, la cour. C'était sûr. C'était sûr vu quand je mettais court. Par contre, là, je suis même moins bien parti. Hein. Puis sur cette piste pour remonter, c'est pas évident. Allez, oula, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, Miss Wella? Reprends-toi. Mais c'est la qualité, ça bug chez vous. Hein. Coup de raquette, c'est mort. Allez, hop. Merci à toi, Gâteau Du, pour le follow. Vous m'énervez avec vous, ça bug là. Vous me déconcentrez. Petit coup de F5, c'est reparti. Hein. Damn it. Mais non, c'est vous dans le chat que vous me déconcentrez. Bon, 14ème, ben, ça va pas à la MXO, je gère pas tous les points que j'ai pris tout à l'heure. Bon, il va où lui? On peut prendre un extérieur du coup. Oh, lui il bug sale. Ça passe, on a même passé les gros enchaînements, c'est propre. Bon, maintenant on a 8 secondes maintenant à rattraper. Un peu de boulot. Eh ben, c'est la qualité, Guigui, ou actuelle, je sais pas moi. Oula, failli sortir. Ça passe. Il faudrait au moins qu'on rentre dans le top 10, quoi. Et au moins qu'on remonte si on fait pas de conneries, quoi. Tout le monde devant là. On a vraiment tout le monde devant. On a 4 devant là d'un coup. Deux qui se mettent au tapis tout seul. Un doublé en l'air.
nickel, ça tient. Ça c'est du dépassement, nickel. J'aime bien quand ça se passe comme ça, que je suis pas trop gêné, que j'arrive à passer aussi vite que je veux. C'est propre. Bon là 15 secondes. Un petit gap. On va essayer de continuer sur ce rythme, hein. On est sur un bon rythme là. Je vais me prendre un coup de raquette à l'accélération. On est revenu au moins dans le top 7. C'est une bonne nouvelle. Là, l'évêque, tu peux tellement prendre à plein gaz. Si le risque dans ce track, en fait, c'est que t'es tellement plein gaz partout que tu peux vite partir à la faute, quoi. Moi là le mur, waouh. Là si je peux facilement perdre les pieds là, c'était terrible mal. Mais parce que je suis vraiment ultra limite quoi. Niveau de la longueur, pendant le trip il passe bien. Mais ça pareil, c'était un track qui était là dans les débuts de MXS Rank. Pas mal de track qu'on avait depuis le début là, c'est cool. Oui, il est tombé là? C'est le sixième qui est tombé ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Oui, c'est lui. Allez, sixième. Putain, il y a 15 secondes entre tous les gens, c'est quoi ce travail là? Je suis obligé de cravacher pendant 15 secondes pour les remonter quoi. Enfin, on va remonter 15 secondes à d'écart quoi. Une 45-8, nickel ça. Wop, le truc qui passe nickel à la fin à chaque fois, là, tous les tours. Visiblement, on remonte quand même. Hein. Comme quoi, on arrive à imprimer un petit rythme là. On fait quand même des bonnes fins de manche hein, depuis tout à l'heure. Putain, j'ai réussi à passer de l'enchaînement à tous les tours là. Est-ce que c'est lui ou pas? Non, c'est pas lui, c'était un lappeur, dommage. Ils m'ont laissé espérer. Que ce soit le cinquième, mais non. On finira sixième sur cette manche. Belle remontée quand même, on a bien cravaché sur la fin. On a imprimé un bon niveau quand même. Une 44-5, bah dans le dernier tour, voilà. Dans le dernier tour, on a encore amélioré le temps autour. Comme quoi, il y a encore moyen de descendre. Mais on roule bien, ça c'est cool. Ah, qu'est-ce que vous racontez dans le chat du coup? C'est un shift mon casque. T'arrives pas à installer MXS dans un dossier. Comment tu... Non, t'as juste à cliquer sur OK, OK, suivant, suivant, OK, 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 c'est bon quoi. C'est normal, ton frein freine très peu. Alors MXS, ça freine pas énormément, surtout en 450. On a vraiment l'impression que la moto freine pas, c'est une habitude à prendre. Mais après, ça freine quand même. Hein. Peut-être ta manette, je sais pas, essaye de voir si ta manette est un problème ou pas, je sais pas. Je sais pas du tout. Alors, je vais voir pourquoi vous me dites toutes qu'il y a un... ça bug là, alors que normalement, il n'y a pas de raison que ça bug. Putain, j'ai oublié d'enregistrer. C'est pas grave.
slash dashboard. Parce que là, vous me dites tout, ça bug, ça bug, ça bug. Maintenant, c'est ultra stable. C'est chez vous que ça bug. C'est pas chez moi, donc merci de ne pas dire que ça bug. Parce que c'est strictement chez vous. T'as vraiment des poids à sortir depuis tout à l'heure, là. Comment tu fais pour rater l'arrivée? Là, c'est vraiment en mode boop, 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 boop. Si tu ralentis vraiment trop tard, tu fais ça, quoi. C'est vraiment la limite, quoi. Merci à toi, Mada. Merci à toi, Léo, pour le follow. Merci à ceux que j'ai raté aussi. Merci à tous ceux qui follow, ça fait plaisir. C'est tout taqué ce soir. Ça fait plaisir. En plus, on fait des putains de résultats. On roule ultra fort, donc ça, c'est cool. Ah bah il faut bien passer dans les portes. Alors là attention. On passe sur du supercross. Alors là ça a pas rigolé hein. Faut réussir à bien gérer. Merci à toi Pumuki pour le follow. Merci à tous ceux qui follow. Pensez à activer la notification sur Twitch pour être au courant de mes prochains lives. Parce que je live tous les mercredis soirs de 19h à 21h. Mais pas que, je fais aussi d'autres lives comme ça dans la semaine. Moins 4 points genre. Putain la gueule, j'ai perdu 4 points. Bon allez, petite piste de supercross là. On est parti. Alors attention, les bosses sont courtes. Oula, 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 ouf. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? La roue avant, elle a merdé. Comme pas possible. Normalement, il faut réussir à passer tout ça. C'est autre chose. T'es dégoûté que ma roue avant soit mal posée, quoi. Elle a posé, elle a dit « Nope !» On dégage. Bon bah s'ils veulent continuer comme ça, moi je prends. Ils s'arrachent tous partout. On sent que les gens sont pas habitués à faire du supercross. Oula oula, je vais où? Non, pas les barrières. Il y a une physique de merde dans les barrières, ça veut dire que je peux plus revoir passer. Putain, dégoûté. Obligé d'y aller à l'arrache pour passer. Mine. Non, laissez-moi repartir. Bon, dégoûté là. Bon, allez. On se refocus. Je me suis fait avoir avec mon intérieur, je suis parti carrément trop interne, ça fait gauche, droite. Se concentrer. Putain, les gens ils tombent partout. c'est Bagdad les supercross. Après, on est nombreux. Hein. Et là, ça passe. Ça passe. Ça passe. Bien parti. Ça, il est pas compliqué ce supercross, mais c'est que les enchaînements sont chauds à avoir à la bonne vitesse, quoi. Quatrième, on est remonté bien. Je voulais pas rester derrière lui parce que je préfère rater l'enchaînement et me redécaler un peu. J'étais trop proche de lui, quoi. Ça a été trop risqué dans le virage. Dommage pour toi, t'as voulu se passer mais non.
Ouh, je suis passé au-dessus, c'était chaud là. Ultra tendu. Mais c'est passé quand même. Mais non, bien sûr, il me tombe devant, quoi. Putain, des fois, je mets tellement long dessus, l'enchaînement. Putain, il n'y a que 8 secondes, hein. Il est juste là, il est pas loin, il est pas loin. Là, on est sur le podium, mais sachant que si podium, ça me fait perdre des points, c'est un peu moyen, quoi. On a combien? 4 minutes 43. On a encore du temps, il y a encore du temps. Hein. Je pensais qu'on était plus avancé que ça dans la course, mais non, il y a encore du temps. Ouais, ça passe. Non, ça tombe. Il est chaud à prendre son enchaînement là. Et puis l'autre qui me déchire. Oh. Je perds tellement de temps. J'ai perdu 3 places quoi, avec une chute. La haine. Enfin, double chute du coup. Bon, plus qu'à tout refaire. Pas grave, on a la vitesse, on a montré qu'on avait vitesse. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je peux tomber. Je fais un petit droite-gauche dans la ligne là. On voit que je suis moins serein maintenant en supercross par rapport à avant. J'ai perdu du niveau quand même. C'est plus que c'était MX1 supercross. Bon, ça va, les loops sont ultra simples là au moins. C'est l'avantage. On est passé 4ème, on a gagné 2 places. Ça passe. Il est vraiment ultra chaud ce passage. C'est oups, plein gaz et tu croises les doigts pour être assez long quoi. Et on passe, quadruple, il passe, ça passe. Enfin, j'ai pas des super temps autour là. Essayer d'améliorer tout ça quand même. Ça passe là, c'est sûr. Nice. Du coup, je le rattrape bien devant parce que du coup, je saute plus en longueur que lui. Lui, il est plutôt en hauteur. Allez, moi, je vais récupérer ma 3ème place. Merci. Allez, dernier tour. Last lap, c'est pas le moment de se chier. Pilote est juste devant, donc il y a peut-être même moyen de remonter encore. Hein. Passe. Propre CMX, ouais. Troisième, nickel. Allez. C'est juste devant. C'est le mec avec la Honda là. Ah non, c'est une Kawa, excusez-moi. Ça passe ou pas? Oui, ça passe. Ah non, c'était pas lui. C'est bien celui avec la Honda, donc j'ai dit de la merde, désolé. Allez, ça passe. Ouf.
plus chaud là. Bon, ça va être une troisième place, je le sens. À moins qu'il sera dans la dernière ligne, mais ça serait quand même pas de chance pour lui. Non, il est passé. On sera quand même sur une troisième place, c'était chaud, on a fait pas mal de remontées là. Mais ça, bon, on joue pas si mal que ça. Une 9 au tour. C'est pas ouf. Mais je réussis à être consistant sur la fin. Ça va. Ouais, ça roule grave ce soir. Hein. Ça roule super fort ce soir. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Après, il y a quoi comme élo ce soir? Putain, il n'y a pas de élo de fou. Il hein. Y a Gérard Verdu. Il y a Guillaume. Ouais, il y a trois. Elien Mabru quand même. Ouais, il y en a pas mal quand même. Hein. Il y en a pas mal quand même. Après, c'est que je fais partie des leaders en étant 8ème forcément. Mais c'est que j'ai commencé assez tôt la saison, contrairement à d'autres qui reviennent. Mais c'est cool. Il y a pas mal de points qui remontent. Il y a du 1500. Ouais, il y a quand même du mini-niveau. Hein. 1400. Ouais. J'ai rien dit. Il y a quand même du niveau. Heureux, le patron. J'aime bien cet enchaînement là où t'arrives comme ça là. Wap. T'arrives, tu rattrapes là. Pouah. Et t'arrives à enchaîner derrière. Le casque, non, je l'avais eu sur à l'époque de MX Simulator Mods, quand le site existait encore, ils les avaient mis en partage les shifts. Je ne l'ai pas exporté. Sans la physique activée, ça va beaucoup mieux sur MXS Rank. Bah de toute manière, en fait, même si tu mets la physique arcade, en fait, une fois que t'es sur MXS Rank, ça te la désactive. Donc... T'as pas trop le choix de jouer sans. Et tu sais, jouer à MXS avec l'arcade physique, c'est comme, je sais pas, manger les pâtes au sucre. Je sais pas, moi. Re César Piette. Heureux, merci du follow, merci. Bon, on marque combien de points là? J'espère qu'on va avoir du plus quand même là. On a fait du moins avant, mais à mon avis, j'aurai du plus. Arthur, t'as vraiment pas de chance, Arthur. Désolé, mais en fait, je suis parti en wheeling, et je sais pas pourquoi ma roue avant elle s'est mise de travers. J'ai dégagé direct au départ. Désolé. Après, tu vois, j'arrive à remonter, donc peut-être que t'es pas bon et que t'arrives pas à remonter. Je sais pas. Plus 6, Ben Caster, il vote pour un plus 6. Ou alors c'est que t'as vu le score avant. Merde, je vais faire serveur MX, je pars à la bonne moto. C'est pas grave. Setup MX Kawa. Bon, on va essayer de pas faire de la merde avec cette moto. C'est pas habitué, mais bon, on verra bien. J'ai oublié de changer. Et du coup, on a marqué combien de points? Plus 8. Ça va, on marque pas énormément de points pour à quel point on cravache. Mais c'est pas grave. Bon, allez, go. Bon, du coup, petit changement de tenue comme ça à l'improviste. Alors, attention, parce que là, il y a du monde. Putain, j'ai un poisson à chaque fois au départ. Hein. Putain, j'essaie de faire gaffe, finir. Putain, je touche personne et à chaque fois je tombe quoi au départ. J'en ai marre. Merci à toi, Lucas, pour le follow. Merci. Du coup, je pars dernier. Oui, MX, ouais, oui, c'est bien ça. Bon, allez, go. Bon, 17ème. Bon, maintenant, faut faire de la grosse remontée. Essayons de ne pas être gêné. Ça tombe partout. Putain, mais stop. J'en ai marre quand ça se passe comme ça. Merci à toi, Slendigs, pour le follow. Merci. Putain, mais stop. Comment partir avec un gros handicap, quoi? Tiens, allez hop. Bon allez, on se concentre parce que là c'était pas très glorieux ce départ. Et si en faisant 3ème on marque que plus 8 points, j'ose pas imaginer le nombre de points qu'on va perdre en faisant 15ème.
Il y a beaucoup d'endroits dans ce track où c'est. Bah, tu croises les doigts, tu passes à bloc et tu croises les doigts que ça passe bien. Par contre, c'est une piste à whip, hein. Je préviens, hop. Je vais lâcher des whips un peu partout. Oula, je vais où? J'ai un peu raté le transfert. Excusez-moi. Le leap n'est pas vraiment passé. Bon, c'est bon, on est revenu 9ème tout de même, mine de rien. On monte tranquillement, mais sûrement. La grosse 4ème pour passer là. Nickel. J'ai l'impression que cette moto a un peu plus de frein moteur que la CRF. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est les YZ. Je sais que mon setup de SX n'est pas sur la bonne moto. Il est sur l'ancienne. Mais je crois que ouais, je roulais, c'est possible que je roulais YZ avant. Et non, pour ceux qui connaissent pas MXS, vous allez pas me dire « Non, c'est une cake safe, t'es sur Kawa, ça se voit, débile !» C'est juste que la physique de la moto, en fait, on met pas les marques sur les bonnes motos. Parce qu'il y a des motos qui sont mieux que d'autres, des moteurs dans le jeu. Et vu qu'on remplace que graphiquement la moto, bah en fait, la couleur de la moto ne correspond pas du tout à la moto qu'on joue. En général. Bon, 7ème, allez, on remonte tranquillement. Bon, un tour, ça m'en a pris pas mal de place. Le problème, c'est qu'on a fait tellement. On a beau remonter, mais les gens sont partis tellement loin devant. Le temps qu'on a perdu au début, forcément, bah, le leader, il est parti. Hein. Si on regarde où il est au niveau de la mini-app en haut, on voit qu'il est loin quand même. Hein. On voit qu'il vient de tomber. J'aime pas rouler dans les traces comme ça. Parce qu'il suffit qu'il se rate. Et bah tu te rates avec. Ouf, ouf, ah, fuck. Si le... J'ai envie de la tenter quand même. Ouais, c'était chaud. Voilà, j'entends une dernière fois le leap là. Mais il passera pas. Je fais peur, mon avis, en me voyant à terre. Il dit ouh, il va où lui? Oula, 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 je vais où? Moi aussi, je me dis où je vais où, là. Et je vais où, là? Voilà, il faut se reconcentrer, là. Sixième. On peut aller chercher le top 5, à mon avis. En Belgique, je faisais championnat Grand Est. Je me mets un peu long par moment. Je suis pas fan de ce tracé en tout cas, moi. Je prends pas vraiment de plaisir à rouler dessus. On monte. Ah oui, on monte, oui, 2 secondes. Toujours un top 5, ça a chuté un terre donc. Ouais, je peux l'inter le temps qu'il se relève, c'était bon.
Merci à toi pour le follow. Je sais pas qui tu es, mais merci. Ça fait plaisir. En fait, depuis tout à l'heure, je passe mon temps à remonter. De toutes les courses que je fais, c'est que je commence mal et je remonte. Bon, ce serait cool que je commence bien une course un jour et que je la gagne. Mais ça, si je remonte, ça veut dire que je roule pas si mal. Ça passe le transfert. Non ! Trop sur l'avant. Ah non, c'est Granny qui m'a host. Merci à toi pour l'host, ça fait plaisir. Je pensais que t'avais follow, mais non. Merci pour l'host. Allez, on passe 4. Attends, le 3 est juste devant en fait. Oh, on peut faire un podium, ça c'est cool. Hop, c'est bon, on rentre sur le podium. Nickel. Bon, par contre, le deuxième, 24 secondes. Ça va être dur à aller chercher, à mon avis. Mais bon, c'est pas énorme, hein, vu le temps que j'ai perdu au début de la course. Avec toutes mes chutes, là. Pas énorme, hein. C'est que je roule pas si mal que ça. Bon, c'est que tout le monde roule mal. Oula. Un peu gros ce whip. Il était beau, mais bon, j'étais pas sûr de pouvoir le remettre. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé ce petit whip, parce que c'était un peu la tête retournée. Enfin, ouais, si vous cherchez un track pour vous amuser à faire des whips, bah, ce track est tout trouvé. Hein. Ça va vraiment vous faire plaisir dessus. Alors attention à lui, parce que c'est un lapeur, je le reconnais. Toutes les courses, je lui mets un tour. C'est passé, c'est bon. On directement dans les vagues, RSF N ne sert à rien. Wap. On va oublier l'histoire de l'IP là. On va se faire un full inter. Voilà, nickel. Ça passe bien aussi comme ça, pourquoi prendre des risques quand il n'y a pas besoin d'en prendre. Yo Emric, yo. Ça, je vous offre du bon gameplay, ça fait plaisir là, ça fait plusieurs lives d'affilée sur MXS où j'ai l'impression d'être bon. Parce que je vous fais des bonnes courses. Ça fait plaisir. Parce que je suis dans les premiers, mais j'arrive à tenir la position, c'est pas tout. Et même si ça attaque derrière, j'arrive à tenir quand même. C'est ce qui fait le plus plaisir encore. C'est que je suis pas juste devant par erreur. C'est que je mérite ma place qui est de devant. Là, on est sur le dernier tour, là, je pense. Mister Talisker devant. Attention à toi. Ça arrive. Mais ça va, en général, Tata, il respecte bien les drapeaux bleus. Surtout quand il va voir 621, il va faire « Oula, mon ancien chef, faut que je m'écarte. » Ça, il prend extérieur. Fut une époque où je roulais comme lui, hein. On a tous commencé comme ça. Maintenant, je claque du whip partout, à tous les jumps. Et je me fais du rupteur sur les jumps. Oula, je vais où? Je ne sais pas. Mais allons-y, gaiement.
mais sûrement. Ça, j'ai réussi à passer ces vagues à tous les tours. Ah, il est peut-être en 6 tours celui-ci, je sais plus en combien de tours il est. I don't remember exactly. Je pensais qu'il était en 6 plus 1, mais non. Bon, on remonte quand même petit à petit, hein. On a remonté 10 secondes quand même, mine de rien. Attends, je me mets des longs par moment. Au moins, j'optimise les temps de course. Hein. Voilà, c'est bien le dernier tour. C'est bien ce que je pensais. Bon, on sera fait encore une belle remontée, là, mine de rien. Je vais l'appeler le live de la remontée. Hein. La remontada, parce que là, je fais que ça depuis tout à l'heure. Remontada sur remontada. Hein. Là, j'espère que quelqu'un a clippé mon whip, hein, parce qu'il était trop propre. C'est combien de temps que j'ai MXS au moins 5 ans. Au moins 5-6 ans. Oh. Non, j'ai arrêté de faire des compètes. Non, j'ai changé de tenue sans faire exprès en fait. Parce que j'ai chargé mon setup de SX et quand tu charges un setup, ça change pas que le setup de la moto. Ça te change tout ta moto, ton kit déco, ta tenue, etc. Et t'inquiète pas que je vais la revoir juste après la camo. Pam. De 25 ou. Ouais. Ah non, t'as les scores. Je sais dessus. Tu es 12ème, 122, 240. Ça va encore, c'est pas. Là, normalement, il y a moyen de prendre extérieur et de faire. Voilà, comme ça. Comme un. Enfin, intérieur et qu'on va faire comme extérieur sauter directement derrière. Il y a un Discord de MXS français. Bah, il y a un Discord pour MXS Rank. Après, je sais pas s'il y a un Discord de MXS français en général. Je mange après Plixix. J'aime bien faire le petit live 19-21 là. Je mange juste après. Mais j'aime bien, puis ça marche plutôt bien. Vous êtes hyper nombreux à chaque fois, donc c'est cool. Ça motive pour la suite. Vous êtes bien motivé par les lives en ce moment. Et en plus, je vous offre du gameplay d'un niveau assez dingue. Donc je pense que ça mérite un petit pouce bleu sous la vidéo. Franchement, n'hésitez pas. Parce que là, je pense que j'ai besoin d'être récompensé pour le gameplay que je vous offre ces dernières semaines là sur MXS. Ça roule vraiment, vraiment fort. Et bah, j'arrive à suivre le niveau, donc c'est vraiment cool. J'ai pas de temps autour trop à la ramasse, donc c'est vraiment sympa. Wap. Attends, je vais essayer de vous montrer le transfert que je voulais faire tout à l'heure. Final résulte et on reste troisième. Nickel. Voilà, c'est ça comme sauter comme ça. Sauter comme ça. Nickel. C'est ça que je voulais faire comme transfert en fait. À la base. J'étais pas chaud. Ouais. Bon, j'espère qu'on a gagné des points là. Mais à chaque fois on fait troisième en fait. Depuis tout à l'heure on est abonné à la troisième place. C'est quoi, c'est la troisième course qu'on fait troisième? C'est fou. Kenny, je te conseille de... tu contactes Gaming Gear avec ton budget. Il va te faire un PC sur mesure. Nickel. Je sais où c'est, je vais te montrer Waxax. Je te prépare toi à clipper. Bike setup, c'est. Je crois que c'est le leveling qui fait que la moto revient. Je suis pas sûr, hein, je crois. On a gagné plus 6 points. On fait que des plus 6 depuis tout à l'heure, ça m'énerve. Bon, allez, go pour celle-ci.
On connaît bien aussi. Pas de poisse au départ, s'il te plaît. Pas de poisse au départ, j'ai dit. Parce que là, ça va rouler fort sur lui, normalement, en général. Les gens roulent assez fort, parce qu'il est assez simple. Donc, go. Et désolé si je lis pas beaucoup le chat, mais les courses s'enchaînent à mort, là. Et vu que je roule bien, je préfère vous offrir un bon gameplay que de faire de la merde, en fait. On discutera après le live, si vous voulez. Vous avez des... Je l'ai pas vu. Je peux pas te conseiller MX Bike pour le moment, je l'ai pas encore trop testé. Donc, mais ouais, la bêta 12 elle a l'air pas mal, donc à tester. Bon, 11e. Oula. Il se met un par l'avant l'autre. Ils se mettent tous des par l'avant. Je kiffe ce petit saut là. T'arrives là, pap, 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 tu freines. Plein de gaz de la sortie. Oula. Heureusement que j'ai ralenti. Il se met un cours de chez cours lui. Putain, ils sont tous des frayeurs. Allez, on est remonté 5. 4 même. 5 même. Mais non! Oh. Ouais, les graphismes sont moches, l'artiste, mais la jouabilité est juste dingue. Et le réalisme de la réaction de la moto aussi. Et t'es tellement libre, tu veux faire ce que tu veux, que c'est. C'est ça qui est cool, gars. Hop, si je scrubais comme ça, je peux, paf, remettre. C'est pour ça que tout le monde joue à ce jeu. Certes, il est moche, mais. Certes, qu'est-ce qu'il est réaliste, quoi. Merci à toi, Lulu, pour le follow. Merci. Welcome to the family. Bon allez, quatrième. On va refaire troisième, vous voyez, on va remarquer encore 6 points. On est qu'à 2 petites secondes du troisième. Qui est juste là. Ça, Xverna. Non, 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 non. Oh. Pas pris l'appui. Donc t'as vu l'artiste, c'est pour ça qu'on joue tous à MXS. Qu'on arrive tous à passer au-dessus des graphismes. C'est que c'est le meilleur des jeux de moto actuellement. Surtout que là, j'ai un bon petit niveau, donc vous pouvez vraiment voir MXS dans un bon potentiel en fait. C'est une bonne pub pour lui. Non, non, je fais de la merde, MX, ouais. Non, j'ai pas encore gagné ce soir. J'ai fait que des podiums depuis tout à l'heure. Et là, je fais que de la merde. Mais oui, vraiment que de la merde, quoi. Je les vois, j'essaie de recouper avant l'autre, tape dedans, et c'est moi qui repars en tête. Et je suis pas prêt de la gagner celle-là non plus. Mais on en gagnera, au pire, on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas gagné une course. Hein. Bon, du coup, la quatrième, 21 secondes de retard. Je suis rapide, mais j'ai du mal à être régu et à bien pas faire d'erreur. Je suis beaucoup trop d'erreurs encore là dans ce soir. La course que je vous propose. J'ai déjà été plus régulier que ça. Je vous ai déjà offert un meilleur gameplay.
Non, mais vraiment, troisième. J'ai même pas vu quand je l'ai doublé l'autre quatrième. Il devait être quelque part à l'autre part de la piste. Je pensais être encore 4, mais non. 3, visiblement. Tant mieux, écoutez. Je ne dis pas non contre une place gratuite. Ça y est, je commence à être un peu mieux roulé là. Un peu plus dedans. On prend pour rattraper chaud, chaud, chaud. En général, les deux devants sont bien énervés depuis tout à l'heure. Donc là, pour rattraper 27 secondes, sachant qu'on est à quasi fin de course, trois quarts de course, je pense. Ça va être chaud. Moi qui fasse beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et moi que je sois extraordinairement rapide. Parce que là c'est quoi? C'est pas mal de lignes de retard, hein, 20 secondes. Enfin 19 pour être précis. Même si j'essaye de rouler fort. S'il fait pas deux chutes, quoi, c'est compliqué. Puis track, une fois que t'as compris, une fois que t'es seul, tu chutes plus beaucoup, quoi. Tiens, on va se prendre un peu en terre pour changer. Ouais, je remonte. Dixième par dixième, je remonte quand même, hein. 18-6. Mais bon, ça va être chaud, quoi. Y a pas assez de tours pour remonter plus que ça, quoi. À 17. Je suis quand même plus rapide que lui, hein, mais il y aura pas assez de temps. Dommage. C'est eux qui me remet du temps là. Et il était pas si loin que ça le premier deuxième. J'avais quoi? J'avais 30 secondes à mon avis. C'est ça. Oula, oula, je vais où les mixouets? Bonjour. Ici, le public. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis parti plein gaz, je ne sais où. Heureusement que j'avais de l'avance, hein. Un petit flip pour fêter ça, raté. fou. Ouais, qui une Red Bull, c'est ce qu'on a toujours dit, hein, la jouabilité d'un MXGP, enfin le gameplay d'un jouet, le graphisme d'un MXGP sur la jouabilité d'un MXS, c'est bon, t'as le jeu le plus refait au monde. Hein. T'as le meilleur jeu, t'es reparti pour les 15 prochaines années, quoi. Mais non, GLV ne veut pas vendre son jeu à quelqu'un qui veut le développer. Bon, faut repartir de zéro, quoi. Mais le problème de ce jeu, en fait, c'est que c'est un jeu de puriste. Des jeux de simulation, tu peux pas te dire, oh, tiens, je vais faire une petite partie MXS comme ça, que t'y as joué 4 heures, quoi. Faut que t'y passes un mois avant de t'amuser, quoi. C'est le truc le rebutant dans les jeux de simulation. C'est quand même X-Bike, hein. Faut s'y mettre sérieusement si tu veux pouvoir t'amuser. C'est pour ça que j'en fais pas de live ce soir. Sinon, j'en fais un petit live sur. Ça me tentait bien, un petit live MXBike. Mais c'est qu'il faut vraiment s'y mettre sérieusement, quoi, pour rouler bien.
Ouais, j'étais une petite seconde plus rapide que lui. C'est pour ça que je remontais sur lui. C'est pour ça. Bah, c'est pas depuis quand tu joues, hein. Franchement, 1,54 c'est pas si mal. Hein. T'es que 10 secondes moins rapide que moi, tu vois. Et même moins rapide que les meilleurs. Donc en soi, c'est pas si mal. Hein. Après, tu sais, le temps autour, 10 secondes, c'est pas grand chose. Hein. Il suffit juste de jamais tomber et tu vas faire une bonne place. C'est ça en fait. Le plus gratifiant sur MXS, c'est si tu tombes pas, tu fais vraiment une course avec pas trop d'erreurs, même si t'es pas ultra rapide, tu vas faire une bonne place. Ça qui est cool. Je sais pas encore s'il y aura une promo pour le Black Friday sur MXS. J'essaye de pousser GLV pour qu'il en fasse une. Pour que je puisse vous le proposer à moins de 30€, ce serait cool. Sinon, vous serez au courant sur ma page Facebook s'il y a. Bah, t'as mon setup, au pire, si tu veux, hein, Wax, tu peux recopier le mien, tu fais un petit clip là pour voir mon setup, comme ça tu pourras le recopier tranquillement. Bah, après, à toi de voir. Moi, j'aime bien celui-là, après, c'est vraiment chacun ses goûts, quoi. Mais ouais, MXS, tant que t'auras pas un réglage potable de moto, bah c'est pareil, MXBike, je pense, hein, et tous les jeux de simulation. Hein. Tant que t'as pas des réglages potables, tu fais pas un truc bien, quoi. Putain, le 44, il avait 11 secondes de peinage. J'aurais pas fait ma merde à la fin, je l'aurais passé, quoi. Oh, dégoûté. Comme quoi, il faut vraiment faire la course jusqu'au bout, quoi. J'aurais pas perdu mes... Ah, ça, 51. J'ai perdu... Ah, peut-être pas. 11 secondes. Ouais, je sais pas. Bon, j'étais vraiment dans un bon temps autour, je sais pas du tout. Putain, dommage. J'aurais peut-être pu réussir à passer grâce au peinard. Tant pis. Oui, puis après le setup, chacun correspond à comme il veut. Hein. Déjà, ça dépend vachement si tu joues assis ou debout. Moi, je joue beaucoup, beaucoup, beaucoup assis. Donc, à voir. Si tu joues beaucoup debout, ça ira pas pour toi non plus. Donc, à voir. Vraiment, à voir. Au pire, pour ceux qui sont sur YouTube, je vous mettrai la petite fiche là-haut. Je vous mettrai la petite fiche de mes setups, la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, n'hésitez pas à les voir. Donc, là, on va repartir. C'est bien. Je crois qu'on a fait le tour là. Ouais, mine top. C'est parti. Il n'y a pas contre qu'on n'est plus inter. Bon, on va essayer d'en gagner une course quand même. Ça serait cool. Faudrait aussi à bien partir en fait. J'ai pas vu qu'on a fait plus combien. Moins 3. Putain, on fait 3ème, on fait moins 3. Dégoûté. Je suis dans le moment où c'est assez horrible parce que du coup, faut faire que des bonnes places. Voir que des pole positions pour être bien, quoi. Bon, on est carrément bien parti là. Donc on va essayer de rester là et d'aller chercher cette victoire de live. J'ai toujours pas réussi à en avoir. Le premier a l'air de rouler quand même parce qu'il nous claque des petits. Oui, pas droite à gauche. Bon, allez, go. On part à la chasse. On sort les dents. La chance que je rate mon virage avant. Enfin, il joue bien le premier. Je ne sais pas qui c'est, mais il fait des bons enchaînements. Donc ça va jouer à l'erreur de l'autre.
pas rouler trop proche non plus. Oh. J'ai fait comme lui quoi. On est partis tous les deux trop externes. Putain, on allait le prendre trop vite. Ah, dégoûté. Putain, on est partis tous les deux mal quoi. Dégoûté, j'étais bien parti. On a voulu prendre trop vite à l'arrache le virage et voilà. Tous les deux sortis de l'ornière. Les deux fait de la merde. Hop, 3-6. Trop aléatoire ce saut, je fais de la merde là, ça y est. Pas les bras, on sait jamais, hein, sur un malentendu, on peut regagner les places. Déjà, en passant cet enchaînement, on est quand même pas mal rapide. Après, je sais qu'il y en a pas mal qui sautent à fond ici pour atterrir directement dans le virage. Moi j'aime bien passer là. C'est moins lent, mais je le sens mieux. Allez, une petite place, merci. Alors, fais pas de la merde, la mix. Ouais. Prends pas trop vite le virage. Ouais, nickel. Non, puis je prends trop vite lui. Ça y est, ça veut plus là. Ça y est, j'arrive à la fin. À l'inter pour changer. Bon. Pourquoi je veux changer quand je sais qu'une trace passe bien, MX? Ouais. Oh là là. Merci Pitou pour le follow. Merci à toi. Bon, cette course aurait pas été très une grosse réussite. Puis d'ailleurs, c'est un moment donc faut que je fasse gaffe. Passe comme ça les autres, ils arrivent à fond là. Faut un truc dans le genre. C'est vrai que ça passe bien aussi, full exter. Passe mieux là. Hein.
14 secondes devant. Je vais prendre trop vite mes virages depuis tout à l'heure, ça va pas la Mixway. Plus rien ne va plus pour le pilote français. What? Plus rien ne va plus du tout là. Je fais les quatre coins de la piste. Je remonte une seconde pour en perdre 3 derrière. Heureux Lucas. Bah je galère un peu là, je commence à galérer un peu, puis depuis tout à l'heure je fais des 3e places, je perds 3 points. Ça m'énerve un peu de faire des 6 bonnes places et de perdre des points. Mais après, tant que je sais faire des flips, écoutez, est-ce que ça irait pas bien? Il passe tellement bien le flip sur cette piste. Enfin, sur cette table surtout. J'ai envie de dire, tant qu'on fait des flips. Après, je suis obligé de faire des flips vrille parce qu'ils tournent plus vite que les flips normaux. Donc, je suis obligé de partir un peu sur le côté. Sérieusement? Raquette de merde quoi. J'aime pas ce passage. Tu raquettes tellement de manière aléatoire. Salut Beagle. Deux jumps de FMX, je sais même pas. Ils sont où les Coléo? Ah, le premier roule 1,56. Ah, 2-0, c'est pas si mal hein, finalement. Oh, bah voilà, il dégage. Il est où le cinquième? Ça, il est assez loin quand même. On n'aura pas fait une course folle, hein. Ça c'est clair. Oh, j'ai cru que j'ai retombé là. Pourquoi tu veux une buzz de FMX alors une table de motocross suffit, toi? Mais à mon avis, le mec qui fait chier depuis tout à l'heure, c'est... Ah, il est plus là. Ma bru. Il y a plus que des gens. Payson Johnson, il a combien, lui? 1289, mais il roule fort. Ouais, c'est qu'on est en début de saison, et du coup, les gens qui roulent fort ont pas encore beaucoup d'élo, donc on perd des points contre eux, en fait, en général. Sam. Tu vois, par exemple, Sam qui fait 3ème, il a 1000 d'élo parce qu'il vient de commencer. Du coup, je vais perdre des points encore, mais bon, c'est pas grave. Vers le fond à gauche. Alors, le fond à gauche. Qu'est-ce que tu appelles le fond à gauche? Parce qu'il n'y a pas vraiment de minimap sur ce track. Attends, on va essayer de trouver. Vers où je suis tombé? Ah, là. Ah, ça là?
Ah ouais, je sais même pas, tu vois. Tu m'apprends un truc. Je les avais jamais vus. Ils sont bien cachés, à vrai dire. Est-ce qu'on peut flipper dessus? Oh. Passe easy. Ouais, Mix Jeffrey, clip. Pense à faire un clip. Pour pouvoir revoir par la suite, parce que je reste pas trop longtemps dessus. Voilà. Tu clips et comme ça tu pourras mettre pause. Après, ils sont pas ouf, mais ils envoient bien, tu vois, par contre. Parce que tu vois, le flip, il tourne vraiment, vraiment bien dessus, hein, donc ils sont bien calibrés en soi. Et après, je suis un peu court, donc forcément, je me mets court. Un peu court, donc je me mets court. Ça y est, tout le monde vient là, du coup. Regarde tous ces stream stalkers, là. Tellement haut. C'est vrai que t'avais trafiqué des... C'est à moi que tu parles, Slumnis, que j'avais trafiqué mes 250? Jamais trafiqué de 250, tu peux pas trafiquer les motos sur le jeu. Qui t'a dit que j'avais trafiqué des motos? Qui ça, tout le monde? Moi je veux savoir, donne des noms. Tu peux pas changer les motos sur MXS. Enfin, pas, tu peux changer physiquement la moto, mais le moteur reste le même moteur. Ceux qui te disent ça que j'ai trafiqué, c'est des jaloux. Plac! Écrasé. Request restart. Mais dis-moi un peu, cela me dise là, qui c'est que tout le monde là, que j'aille la mettre en place. J'aurais dit, c'est des gens qui connaissent pas le jeu, c'est pour ça. Et ouais, c'est tous des jaloux parce que je roulais trop vite. Ils trouvent une excuse. Putain, sandbox. J'aimerais bien en gagner une là quand même, hein. Ce serait pas bien. Kit déco pour 350, je pourrais pas te dire, le seul truc c'est que j'ai un kit déco de 350 qui traîne. Désolé. Merci Lélé pour le follow, merci OTC sur Lilan. On est bien parti, donc. Let's go. Même très bien parti. Bon allez go, Amixway, c'est le moment là. Cette victoire elle est pour moi. Je vous laisse pas impressionner. Le cours. Putain, je savais. J'aurais pas dû le tenter. C'est parce que tout à l'heure j'ai passé à tous les tours, donc je me dis pourquoi pas, ça passe. Puis le premier a l'air de rouler, donc le problème c'est ça. Est-ce qu'il a passé l'enchaînement, donc c'est que c'est pas n'importe qui. Bon, faut repasser les deux là. Pour être tranquille et pour avancer aussi vite qu'on veut. Pas le bon plan de prendre les inter sur ce tracé. Non. Pfff.
Tu vas pouvoir aller garder tes 5 euros. Le premier, il est parti. Hein. Il a eu peur, il a fui à l'extérieur. Passe. Je continue à le faire, hein. C'est beaucoup de risques pour pas grand chose, mais. Là, je suis à la moindre seconde. Prêt ! Je tombe, je fais des erreurs à la con ! Comment vous voulez que j'y arrive ? Je fais des erreurs à la con là ! Pff, allez. J'ai jamais pris l'inter, mais ça a l'air de bien passer aussi. Bon, allez, on va essayer d'ailleurs au moins choper la troisième place. Pour ça, il va falloir accélérer un peu le rythme. Oh fuck. Décidément, ces courses là, j'ai du mal à les bien les perfer. Donc, je pars bien, je fais des moins bonnes courses. Sans après, je crois que c'est le supercross là, non? Il y a des chances. Je crois qu'on les a... Ouais, c'est le supercross après. Oula, le cours. Putain, je fais de la merde! Plus rien ne va plus, les gens. Je tombe sur des boss à la con. Oula, le troisième est juste devant.
Peut-être pour nous faire quand même troisième, malgré les courses de merde. Comme quoi, je suis pas le seul à faire des courses de merde. Hein. En fait, faut rester vachement extérieur. Pas trop non plus. Bon, là, on va pas intérieur, c'est mort. Allez, 6 secondes 4. Il est juste devant. On part à la chasse, là. Parti, couteau entre les dents. Dernier tour en plus. Nous. Je dis, bah voilà, c'est passé, mais non. Je suis sorti comme une merde du virage. C'est un dépassement trop facile à avoir pour ça. Tout en glisse. J'ai dû me jeter dans le virage, parce que sinon il allait me découper. Ça se voit, il y a 10 000. Bon, on va refaire 3. Je pense qu'on est abonné à la 3ème place sur ce live. Que je joue bien ou que je fasse de la merde, je suis toujours 3 en fait. C'est assez écœurant, je le vois. Tu restes là. Et ça passe tout seul derrière. Ok, j'ai trouvé où prendre ici. Bonne note. Dommage que le track change demain. Enfin, cette nuit. Bon, on n'était pas si loin que ça du deuxième, tu vois. 10 secondes. Comme quoi, il y a carrément moins que je gagne, quoi. C'est pas énorme, vu le temps de perte que je perds à chaque fois que mes chutes à la con. Il y a carrément moyen que j'aille aller chercher sa victoire, quoi. Bah, MXS Rank, le serveur Luc. Si peu de viewers pour ton spectacle. Bah, t'as qu'à partager le live, Timo. T'as qu'à partager. On est 48 quand même, hein. Ça reste. Il y a plein de streamers qui rêveraient d'avoir 48 viewers, hein. Faut se le dire, hein, je suis quand même chanceux sur un jeu de niche comme ça d'avoir 48 personnes. C'est pas énorme, contrairement à des énormes streamers à la Gotaga, Squeezie, Domingo, tout ce que tu veux, les Magla, machin. Mais c'est déjà énorme pour moi, 54, tu vois, c'est déjà énorme pour ce que je fais, ma petite communauté. Puis on a commencé le live, on était une centaine, donc voilà, c'est déjà énorme, j'ai déjà la chance d'avoir tout ça. Salut, Yuen. Ah bah, GG Tintin. Ouais, sur le sable avec le 4,50, rien que là, tu vois. Tu ressors plein de gaz là avec un 4,50. Si t'as pas peur de prendre des virages à fond, bah forcément, tu gagnes du temps, hein. Ça aide pour ça le 4,50. Par contre, j'ai fait un extra de temps à full 2,50. C'est possible, j'ai pas fait gaffe. J'avoue que j'ai pas fait gaffe. T'as encore 24 personnes sur le serveur, c'est cool. J'aime quand il y a du monde comme ça sur le serveur. Ça me motive de faire la suite. D'ailleurs, je pensais, je vais vous parler d'un petit concept. Vous êtes 52, là, vous allez avoir l'exclusivité d'un concept pour MXS Rank, sans doute. Le prochain event qui me tente bien. J'ai raté la hype, j'aurais dû le faire un peu plus tôt, mais c'est pas grave, j'y ai bien y pensé maintenant. Vous connaissez tous la Red Bull Street Rhythm, je pense que oui. Ça serait cool de le faire
Est-ce que vous ne pensez pas que par exemple pendant 2 semaines, en événement privé, donc en dehors sur un deuxième serveur, hein, pas sur le serveur principal qui restera comme ça, mais sur un deuxième serveur, je vous fous une Red Bull Street Rhythm avec 50 départs côte à côte, tac 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 tac, et on fout le système de Hello dessus. Et genre en mode c'est que des lignes droites, les courses c'est toujours que la ligne droite, et bah faut réussir à gagner le point, et du coup bah si t'arrives premier tu gagnes des points, si t'arrives deuxième machin. C'est vraiment la régule. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Après, je sais pas du tout si j'ai expliqué comme une merde. Yo Rennax! Yo Mister Casque d'Or! Comment tu vas? J'ai expliqué un peu comme de la merde, je vous avouerai. Mais je pense que vous avez compris. En gros, c'est faire une Red Bull Street Trip, mais plus en 1v1. Mais en 1v versus 5000. Et mettre du Hello dedans. Et 2 semaines, puis à la fin hein, des 2 semaines, on regarde qui a gagné le. Enfin, classement, avec tous les Hello. Et avec un gros cash prize à la clé. Ça pourrait être cool, non? Je sais qu'il y avait. Il y a pas mal de Red Bull Street Team quand ils ont fait, quand il y a la course. Ils les proposent même sur le serveur en mode practice où t'as 15 millions de lignes côte à côte. Et on pourrait faire ça et genre en mode. Le premier, le celui qui a le plus gros elo sur le serveur, on le met à la 1, l'autre on le met à la 2 et on met tout le monde comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça pourrait être cool, franchement. Après à voir parce que du coup, faudra faire gaffe aux gens qui changent de ligne. Donc c'est possible que je fasse une. Ligne, un espace, une ligne, un espace. Ah non, je peux pas parce que du coup, si je mets l'espace, les gens vont rouler à fond sur l'espace. Ouais, je sais pas, faudrait voir parce que du coup, les gens vont risquer de partir sur les côtés en fait. Pas respecter. Je sais pas, faudrait voir, attendez. Mais ça pourrait être sympa, je pense. Bon, pensez à. Dites-moi à la fin de la course de me remettre mon setup de MX, s'il vous plaît. Que je me retrouve pas encore avec une mauvaise moto pour la course d'après. Bon, est-ce qu'on va gagner des points là? Je pense pas, malheureusement. À mon avis, non. Ça va faire à moins 5. Ouais, je peux mettre full mur invisible aussi. Ouais, je sais pas. Alors, il y a rien officiel dans ce que j'ai dit. Hein. C'est juste une idée qui me passe par la tête que j'ai eue. La dernière fois, je me dis, tiens, ça pourrait être cool de faire ça. Déjà, il faut que je modifie le site pour qu'il accepte les événements spéciaux sur un deuxième serveur. Plus 3. Bah non, le hall, ça sera la même chose, Florian. Parce que si tu joues toutes les oreilles, mais avec des gens qui sont nuls, t'as pas gagné de points. Voilà, là on est bien parti. Celle-ci, on la gagne, moi je dis. Le bâtard. Non, non, la poisse, c'est l'autre qui me fait un intérêt, qui fait la merde. J'en ai marre de ces gens-là. Non, il n'y a pas de place limitée, tu peux mettre autant de départs que tu veux. Tu peux mettre 500 places si tu veux, 1000 places. Putain, puis je tombe dans l'oups. Non, bah c'est bon, c'est mort. Putain, j'en ai marre de faire la merde comme ça. Tout ça à cause d'un mec qui m'a bloc passe. Oh, bon allez. On se reconcentre. Putain, j'aurais pu la gagner celle-ci, je le savais. J'ai la vitesse pour gagner sur Dell B6. Mais non, je fais de la merde comme d'habitude. Oh, tellement long. Ah. Pff, je vais te ralentir. Ça y est. Je suis déçu. Merci Chris pour le follow. Merci. Je fais de la merde là.
Ah, j'ai pas regardé combien de points j'avais perdu du coup. Je regarde si je tombe. Bon, mais oui, allez, dégage. J'ai quand même gagné 3 points. Bon, là, je vais en perdre plein. Je me bats avec des plus 3, moins 3 depuis tout à l'heure. Et là, je vais me prendre un gros moins machin. Je vais pas le voir venir. 12ème. Ah mais je fais vraiment de la merde. J'arrive plus à jouer, ça y est. Douzième quoi, horrible. Mais non! Putain, Ultman, comment tu fais pour follow une chaîne comme ça où le mec il joue si mal? Je suis tellement pas serein là dans ce que je fais. Allez, je retombe. Touché. Merci Noumaraz pour le follow aussi, merci à toi. Je suis tellement de la merde, j'arrive pas. Quand même quelques places, un dixième, mais bon, c'est pas ouf. Et encore deux tours au moins. Ah là, ça passe enfin. Attendez que je me rate autre part. Voilà. Oh! J'ai cru que j'allais repartir ni vu ni connu. Mais lui a tout vu, tout connu. Hein. Non, ça passe pas. Pourquoi j'ai fait ça, Mix? Ouais, ça voulait que ça passait pas. Putain, c'est philosophique, Max, que tu m'as dit. Ne pense pas aux résultats. Quand ça, tu rouleras plus propre, et c'est en roulant propre que tu vas faire des résultats. Hmm. C'est philosophique. Merci. À toi, Max. Mon dernier tour, la 9ème.
Bon là, à ce stade-là, la moindre petite place, c'est des points de gagné. Hein. Enfin, c'est des points de non perdu surtout. Est-ce qu'on peut le dire, hein, j'ai été nul sur cette course, hein. Voilà, voilà, voilà que j'ai été nul. Ah voilà, les loops, ça va pas passer comme ça tous les tours. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été nul. Et je fais une 14-2 au dernier tour, quoi. N'importe quoi. Après, les premiers, ça se bataillait, hein. Je fais de la merde. Attends, attendez que j'y pense. C'est bon. J'ai changé mon setup. Merci, Jeffrey, mais j'y ai pensé. Enfin, toujours 24 là, comme quoi. Par contre, je crois qu'il n'y a plus de gros elo. Ce qui fait que c'est pour ça que je perds des points. Ouais, il y a quasiment tout le monde entre 1000 et 1300. Là, je perds plein de points là, à mon avis. Hein. C'est catastrophique. Ouais, t'as un campant sur Supercross The Game 2. Bon, allez. Celle-ci, là, j'ai envie de la gagner. Après, c'est Chad Reed Campound. Donc, je sais pas trop. J'ai envie de dire, je ne sais pas, on verra. Pendant que j'y pense, pendant que celle-ci c'est pas encore éteinte. Voilà. On peut la blanchir. Voilà. Vous aurez de la batterie comme ça. Pourquoi je suis tout externe, moi? C'est pas grave. Ah, est-ce que la 1 doit être à l'extérieur? On va aller chercher le deuxième ornière, du coup. Mais non, oh, j'étais bien parti. Putain, mais avance toi, fais chier, à chaque fois, j'arrive pas à prendre des bons départs, ça m'énerve. Ça c'était la malédiction que j'avais sur MXS, hein, et je l'ai toujours. Hein. C'est que je fais toujours des départs de merde, hein, quoi que je fasse. Ça part en départ de merde, et je me tape tout le monde. L'autre qui veut te tuer là. Bon allez. Rien n'est perdu. On le passe si vite devant à chaque fois, il n'y a pas de temps de retard. Qu'on rentre bien, il y a peut-être moyen de remonter. En
En roulant bien, mais vas-y, depuis quand ça fait ça là? Ça y est, je suis de la merde. Ça sent la fin de live ça. Putain, le petit Jatou là-bas. Puis je tombe là, non, ça y est, ça sent. Il y a à peu près combien de courses par soir? Bah, une infinité, vu que le serveur tourne à 24, Lucas. Donc t'en fais autant que tu veux. J'ai même pas regardé combien de points j'avais perdu, tellement j'ai pas envie de voir. On va quand même essayer de rouler propre. Monter, on gagnera pas, c'est pas grave. On peut au moins remonter. Enfin, essayer de remonter. Oula. Ouf. En bas quoi. On est sur un bon rythme là. Non, je tombe à cause de lui. Ah, cette poisse. Putain, j'étais sur un bon rythme, mais je tombe à cause de l'autre parce qu'il freine devant moi et je peux pas prendre plein gaz. C'est ça qu'il faut jamais suivre les autres. Je sais bien pourquoi je le fais.
fourmis, toujours pas si loin, ça qui est frustrant. C'est que le premier est jamais loin, quoi. Il a juste deux lignes d'avance, quoi. Il a quoi? Il a 20 secondes d'avance à peine, quoi. Là, j'ai le deuxième qui est juste de là. C'est ça qui est frustrant à chaque fois depuis tout à l'heure. C'est pas comme si j'avais pas la vitesse pour gagner, quoi, c'est ça. C'est à chaque fois le premier passe si loin, quoi. Tellement scrubé que je lui ai carrément rattrapé. Et vous allez voir la vitesse où je vais le rattraper là. Avec le scrub. Pas assez bien scrubé. Ouais, sois pas pressé, Mixway. T'as le temps pour le doubler quand même. Je vais prendre la Warrior. Vous avez une démo de whip là. Je sais pas s'il va vous tenter. Il va vous le tenter. Ouais, j'ai que 10 secondes quoi, c'est rien. Je sais pas comment j'ai rattrapé ça, mais je l'ai rattrapé. Ça qui est frustrant, c'est que je vous fais un départ de merde. Et je suis qu'à 10 secondes du premier quoi. Forcément, vu que c'est le dernier tour, il va passer l'arrivée, ça va être fini. Il n'aura pas le temps de le remonter. Bon, j'ai de la chance et qu'il y a encore un tour. Mais il y a de la chance. On serait déjà fini. Il y a encore un tour. Donc on va tout donner dans ce tour. On verra bien de toute façon. Hein, si ça a payé ou pas. Pour l'instant, c'est lui qui me met du temps. Et non l'inverse. Il reste encore des passages techniques, hein. Je peux encore le remonter. Je
je pense que là. Bon, c'est bon, il est passé les vagues. Ouh, je crois qu'il m'a interreçu. Ah, la haine. Mais ça, le pire, c'est que tout... c'est que j'ai largement la vitesse pour être devant, quoi. Ah, frustrant. C'est qui est devant? Quentin Fort. Je pourrais l'avoir, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte, l'autre? Et j'ai pas vu 7 points. Modèle de moto récente. Bah, écoute, si tu les trouves, Lucas, ouais, tu peux les importer, ouais. Bah ouais, j'ai fait une meilleure course que lui, mais j'ai pas fait le score, donc finalement il gagne, donc tant mieux pour lui quoi, c'est ça qui est frustrant. C'est que j'arrive pas à aller chercher ses victoires depuis tout à l'heure quoi. Yo Dark Freux. Ça dépend ce que t'appelles Lucas. Tu parles des motos là? Sinon, là, il n'y a pas eu de 2019 qui est sorti. Il n'y a pas eu de nouveau snapshot qui est sorti depuis assez longtemps. Depuis la 1.13 d'ailleurs, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc non, et ils n'ont pas. Après, si tu parles des modèles 3D, peut-être qu'elles sont dispo quelque part, je sais pas. Là, fracasse. Mais c'est parce que tu joues beaucoup à Sax. Regarde, moi je joue qu'une soirée par semaine, donc ça va. Mais c'est bien parce que du coup, tu vois, t'apprends les tracks et à la fin de ta soirée, t'arrives à. Même si tu joues pas souvent, parce que oui, c'est ça qui est compliqué avec ce genre de serveur, c'est entre ceux qui ferment tous les soirs, qui jouent pendant 4 heures tous les soirs et ceux qui jouent une fois par semaine, tu vois. Faut réussir à en avoir pour tout le monde et je trouve que 5 tracks c'est bien quoi. T'as une rotation qui dure 1 heure. Quand même jouer 1 heure pour avoir la rotation complète. Puis même si t'as la rotation complète, à la fin t'arrives à bien connaître les tracks et tu peux commencer à bien rouler et c'est là que tu progresses en fait sur MXS. C'est quand tu connais les tracks, tu connais les pièges et tu commences à essayer d'aller voir à gagner une petite seconde par-ci, une petite seconde par-là. Tac, je vais essayer de prendre un peu plus vite là, là machin. Et c'est comme ça que tu progresses en fait. Et je pense qu'MXS Rank c'est un bon serveur pour progresser parce que justement il n'y a pas beaucoup de tracks qui tournent. Je crois que Daniel il rage. Même pas besoin de ligne de code, Olicoléon. J'ai en base de données, hop, hop, petit résultat, je me fais des courses fictives et hop, hop, bizarrement je suis premier. Toi, tu joues seulement le week-end, donc t'as amené, tu dois pas avoir le temps de faire, d'avoir marre du track. Sauf que certains tracks restent 3 semaines. Parce que là, quand il reste 3 semaines, ça commence à dire c'est bon, hein, on peut changer, passer à autre chose. Et bon, après, c'est une minorité qui reste 3 semaines d'affilée. A voir. Peut-être que je passerai à 2 semaines. Mais si les gens revotent pour, c'est qu'ils ont pas marre en fait aussi, c'est ça ce qu'il faut se dire. C'est s'il reste 3 semaines, c'est que le track est vraiment bien quoi. L'incrustation, il y a un fond, il y a un mini bout. Où ça? Où c'est que t'as un mini bout? Non, y a pas de mini bout, qu'est-ce que tu racontes?
Ouais, tous les jeudis matin, ils changent les tracks. Donc là, cette nuit, ils vont changer en fait à 1h ou 2h du match, je sais plus. Ah ouais, là-haut. Voilà. Bon allez, mini OS, là on le gagne. Putain, j'ai envie de gagner là. Les 2,50 sont déjà avantagés, vous avez un bonus à rouler en 2,50. Et en roulant 125, vous avez encore un plus gros bonus, vous avez un coefficient en fait sur le résultat. Donc en fait, vous, pour la même position, vous allez gagner plus de points si vous roulez en 2,50 qu'en 4,50. Oh, je perds les pieds. Toujours ces départs moisis. Mais du coup, ouais, les 2,50 sont déjà avantagés. Hein. Putain de départ de merde, encore une fois. Mais non, il m'en fait tomber. Oh. J'ai encore remonté tout, vous allez voir. J'ai une heure de retard. J'en ai marre de faire des départs si merdiques à chaque fois, quoi. J'ai vraiment une poisse sur les départs, moi. J'ai un petit débon sur mon épaule qui rigole à chaque fois les départs. Je vais les faire rater son départ. Là, j'étais un vieux ballot, quoi. Je serre un peu trop le ballot, je perds les pieds. Abusé. J'ai plein de dudus, ça a doublé là du coup. Toi, j'aime pas dans le paquet, tu peux pas faire bien tes traces. J'ai pris plein de gaz, l'autre le saut. Allez, 8ème. Franchement, si je remonte à 10 secondes du premier, je répète un câble. Hein, si j'en finis 2ème. Je suis un peu trop roue dans roue là. Hein. Mais, erreur de sa part, j'en profite, je passe. Mais mine de rien, je mérite mon elo parce que du coup, comme quoi je remonte pas mal, c'est que je suis quand même un niveau de tout le monde. Donc ce serait bien de concrétiser ça avec une victoire un jour. Va falloir doubler tout ça rapidement là.
Ça, ça triche pas trop là, le mec devant moi. Au moins, ça me motive à bien rouler quoi. Du tout si j'avais rattrapé le premier. Merci Bastien pour le follow, merci, welcome. J'espère que tu apprécies le gameplay que je te propose là. Beaucoup d'erreurs hein. Ça je me dis je joue comme ça en partant devant, laisse tomber. On mettra la camo sur la première marche du podium hein, sur ce live, je vous le dis tout de suite. Tiens, on y a le troisième, 18 secondes. Merci Hugo aussi pour le follow, merci. Est-ce qu'on va réussir à recoller 18 secondes? Quand je fais des bons temps autour. Hein. Ça, ça m'assure, je suis pas en train de la recoller. Il y a une seconde, ouais. Autant dire que je n'ai rien gagné. J'aurais pu assister un terre à arriver, plonger un terre là. Je remonte que dalle, ça me rassure. Putain, il était pas si loin que ça non plus, le premier. Bah les deux se collaient en fait, ils étaient à 19 secondes, 20 secondes. T'es bien remonté quand même. Une 43, une 42. Ouais, ça roulait fort. Une 42,7.
C'est dans les temps. Bon, va-t-on réussir à la gagner cette course? Yo, je suis sur un gros projet qui peut t'intéresser. Ouais, Kill, tu m'envoies un message privé sur Facebook, c'est le plus simple. Sur ma page Facebook. Ouais, je vais faire ça, je vais partir derrière tout le monde au prochain départ. Je vais faire ça. Mais avant, je reviens. Oui, j'ai oublié de mettre le micro. Désolé. Ouais, retourne Windows, du coup, il y avait le jeu, ça affiche le jeu. Désolé. Je manque encore un peu de professionnalisme. Et j'ai pas de régisseur, moi. Ouais, je continue le live. J'ai envie de claquer cette première place et après, on arrêtera le live. Qu'on aura réussi à faire cette première place. Bon courage pour lire sur les lèvres en live. Hein. Avec la qualité, c'est pas ouf ouf. LCQ Studio, bah, il attend toujours. Là, il dit qu'il va possiblement annoncer un Kickstarter, mais il l'avait déjà dit il y a 3 ans. Donc, à voir. On attend comme tous les jeux. Mais j'ai peur que quand il va sortir, qu'il aille pas assez vite, qu'il développe pas assez vite et que ça fasse pareil que MX Bike. Ah, il y a Minetop avant. Alors là, on part après tout le monde et on coupe un terre. Elle est partie tous. Tombez tous. Voilà, au moins on tombe pas là. Mais non, mais regardez, même là j'ai la poisse, même en essayant de pas tomber. Je me retrouve quand même dans le paquet. Mais non, mais j'ai la poisse. Regardez comment j'ai la poisse à chaque fois, quoi. Même là, je fais tout pour pas tomber. Bah, y en a un qui me rentre dedans et qui me fait tomber, quoi. Oh, cette poisse. Bon, encore même, allons go quand même. On sait jamais, sur un maintenant, on peut remonter les 10 places. Comme ça, c'est des tracks qui sont pas ultra, ultra techniques. Et puis, mon Eugène, encore lui. C'est que du coup, tout le monde roule vite sur tous les tracks, quoi. Ça marche, je te répondrai après le live du coup. Le
plus important c'est participer, c'est mort. Je suis trop compétiteur pour ça. Il est passé vite à l'inter lui par contre. Oh, sérieusement là? Pas de flip, hein, on n'est pas fou. Le fait de pas le suivre, il s'est arraché à la récep. Au moins vous avez du bon gameplay depuis tout à l'heure vu que je fais que d'essayer de remonter. C'est l'avantage. Un, deux, trois. Les trois sont là. Ah non, je pense pas, je crois que j'ai pas vu le premier. Un, deux, putain le premier il est loin. Désolé, je perds pas beaucoup, mais je pense que vous pouvez comprendre. L'intensité où ça roule, là. Ouais, le premier, il est vraiment loin. Je vois que le 2 depuis tout à l'heure, dans les doubles lignes, comme ça. Fuck! Ouais, c'était mode derrière activé, là. Oh, pourquoi je vais prendre l'inter, je sais que je le maîtrise pas. J'avoue que je suis trop externe. J'arrive pas à bien viser. Thank you.
Bon, faut se détendre un peu. On va se faire un petit flip pour détendre l'atmosphère. Ouais, non. Vu comment j'étais à l'arrache de la peine, non, merci. Pas de flip. Tout ça vient derrière là. En fait, il y a un méchant à coup à l'intérieur. À chaque fois, je me tape un truc, mais laisse tomber, je sais pas d'où il sort. Lui, je sais pas où il a voulu aller aussi. Snow Mountain ici, ça me dit rien. Enfin, je suis encore trouvé. Ah non, je suis parfaitement dedans là. Allez, un petit flip pour détendre l'atmosphère. Allez, on détend l'atmosphère, merci. Voilà. On est détendu, on roule bien. Un deuxième. Non, pas de deuxième. Je me suis dit un deuxième, mais non, ça peut envoyer. Il est plus dur sur cette table là. Quand on peut la scrub cette boss là, c'est nimp. C'est un haut clé dessus, je crois, de mémoire. Attends, je vais te dire ce que c'est. Ouais, ça a l'air d'être un haut clé. Putain, j'ai été aussi rapide que le premier, quoi. Enfin, c'est mon meilleur temps. Ah, mon casque, excuse-moi, c'est un shift. Ouais, je travaille toujours. Bah, je suis en stage à Decathlon jusqu'à mi-février. Slam Digs, donc oui. Bon, pas une bonne course, hein. On a du mal à trouver sa place, là. Le gros triple.
pas de califa. Vas-y, je suis dessus, c'est ton moment de gloire. Ah oui. Merde, je suis pas au même endroit là. Je préfère Intersport. Pas vraiment le même type de magasin, Intersport et Decathlon. Enfin, moi je vais pas pour la même chose. Decathlon, c'est vraiment quand je joue un article de sport. Intersport, c'est un peu tout quoi. Tout et rien. Bon, j'aimerais bien en faire une bonne course là. Serveur gate 20. On va être inter pour la prochaine comme ça. Il y a Skill qui a pas fini la course. Carl Olivier. Est-ce qu'il va aussi aller jusqu'à l'arrivée? Mathieu aussi. Serveur, virgule, list players. On a Mathieu serveur, virgule, kick Mathieu Blanc. Moi je. Ah non, c'est mon final, je suppose. Merci, Scotch. Merci. Je vais pas rester trop tard, je vais arrêter. Ça fait déjà bientôt 3. Ça fait 3 heures que je live déjà. Tant que j'avais fait un live si long. Il y avait 3 heures. Moi, bon, oh putain, je suis tout inter en plus. Allez. Ah, blanc, ah ouais. Excuse-moi. Allez. Go, celle-ci, on la gagne là. On la gagne, on la gagne, on la gagne, on la gagne. Ouais, juste que j'ai pas la poisse au départ, ce serait cool. En ce moment, j'ai la poisse. Putain, je suis ligne 2, merde. Il va partir vite, ce mec devant moi. Bonne soirée à toi Tintin, félicitations pour ton objectif atteint. Je vais rester tout inter. Pas faire le putain, heureusement que je dis tout inter et eux ils vont s'arracher inter. Allez, on repart. Voilà. On a pas perdu trop de temps, c'est bon, on est quand même dans la peloton. Go. Allez, ils sont tous devant moi là. J'ai fait le meilleur départ depuis longtemps. On va chercher cette victoire là. Ce sera parfait pour finir ce live. Passe.
Ouais, j'ai une thèse de trop, moi. Je pensais être en 2, mais non. En plus, ça fait des erreurs, là, ça stresse devant. Voilà, c'est parti à la faute. Troisième. Juste maintenir le rythme là. Oula, un peu trop. Putain, je pars piquer à Saint-Air. J'avais la longueur, mais j'étais trop sur la droite, quoi. Bon, allez. C'est pas grave, c'est une petite erreur, Mixway. C'est rien. C'est encore faisable. Le qui lag devant, ça fout que j'arrive à le doubler. Putain, les trois sont là. Ça y est, la nouvelle bataille est relancée. Un de moins. Allez. Ça fait des erreurs. Oh bah voilà, nickel. Merci. J'en ai pas autant. Allez, cette fois-ci on a la tête, on la garde. Donc on va plus se faire le gros triple là. Certes on va être moins rapide, mais maintenant il faut juste plus tomber en fait. On a de l'avance en plus. Juste plus de conneries à la mix, ouais. On garde un bon rythme, comme on sait faire, sur ce track. Et ça va être la victoire. Je pensais pas gagner sur ce track, mais bon. Toute victoire est bonne à prendre. Mais bon. Arrivé pas encore passé. Pour encore faire des millions de chutes. Genre typiquement là on peut se mettre un cours. Après c'est vrai que je suis quand même... J'ai une bonne vitesse sur ce track donc c'est bien. ...9 secondes d'avance. On peut imposer un rythme encore plus élevé. L'avantage c'est que je roule un bon rythme, donc derrière il est obligé de rouler aussi un bon rythme. S'il veut pouvoir me rattraper. Je suis pas sur un faux rythme, ça c'est l'avantage. Oh, le mec devant il va me faire chier, je sens. Non, j'allais dire c'est bon, doublé, mais non, j'ai glissé. Par contre, le mec qui respecte pas le drapeau bleu, merci quoi. Il a, doit, ça fait un tour qu'il a le drapeau bleu. Allez, dernier tour, Mixway. Si je le perds à cause de lui, il est ban définitivement.
Je l'annonce, hein. Secondes d'avance. Je peux me permettre une petite erreur. Mais je ne ferai pas l'erreur. Je veux une belle victoire. Ça y est, on peut arrêter ce live. Ah, ça y est. Ah, celle-ci, je serais allé la chercher, quoi. Une 44 autour, laisse tomber. Puis je dois avoir une consistance, à mon avis. Assez dingue. On va aller voir la consistance après. On peut le voir sur le site officiel. Et putain, enfin, quoi. Bonne lecture du chat. Vous avez raconté quoi dans le chat? C'est vrai que ça fait une heure que je ne lis absolument plus le chat. Moi, je suis parti en vidéo, quoi. Oh, so many viewers. Just because I'm famous, draw good. No rage. Bonne soirée à toi. Qu'est-ce que t'as? Ouais, de toute façon, je vais arrêter aussi. J'aurais déjà pas mal joué ce soir. Mais waouh. C'était chaud, chaud, chaud. Ça part en vidéo ou pas? Faut que je fasse l'outro, c'est tout. Mais oui, ce sera en montage vidéo, ouais, c'est vrai. En monter une heure, laisse tomber. Laisse tomber. Pardon, mon fond vert aura toujours déconné pendant tout le truc. C'est pas grave. Oui. Vas-y, la semaine pro show. La semaine pro, Killy, je t'attends. Vas-y. Je t'attends. Il nous reste William qui n'arrive pas à passer arriver. Oui, il aurait perdu une place sur le fil, William. Dégoûté. Nathan pour la 13e place. Je sais pas quels tracks vont tomber la semaine prochaine. Fernandez, Mathieu 26. Je sais pas l'officiel résulte. Ah bah non, ça restart. Non. Pourquoi je peux pas kick Mathieu? Ah, parce qu'il est en zombie donc il est déjà plus là. Ah, c'est Clémarc, il faut que je kick. Serveur virgule kick Kemar Ilou. C'est ça ouais. Kemar il est là. 12. Voilà officiel résulte. Et on reste premier avec 21 fucking secondes d'avance.
Merci pour tout. Alors, restart. Parce qu'en fait, si je le kick pas, la course ne se finit pas. Il n'y a pas l'officiel résultat. Parce qu'en fait, il va pas débarrer et il va rester bloqué comme ça. Donc tu kicks le mec qui joue pas et comme ça, au moins, il y a l'officiel résultat. Même ça change rien en soi. Mais... Pour le script, ça change rien. C'est juste que bon, au moins, tout le monde a les pénins, on sait vraiment à quelle position on a fini. Plus 15! Oui! On fera pas d'LBSX, on va s'arrêter là. Je suis pas fou. Je ne suis pas fou. Ouais, t'es un petit partez, faites du bruit à fond. Bon, en tout cas, j'espère que surtout vous avez kiffé cette petite vidéo sur MX Simulator. Ça a été galère d'aller chercher Victor, mais on aura réussi à la voir au final, on aura réussi. Donc franchement, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir pour me féliciter de cette victoire tant attendue. Après 3 heures de live, on aura réussi à la voir. Et toutes ces 3e places, abonnés, mais on aura réussi plus 15 points. C'est cool, on aura fait un bon live. Pas objectif, on avait voulu faire 1700, mais forcément c'était compliqué, on reste dans l'eau du classement, donc faut attendre que les gens montent un peu pour pouvoir avoir plus de points et pouvoir gagner plus de points, parce que faire 3ème, marquer plus 3, c'est un peu rageant. Mais bon, moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, le petit bouton rouge en dessous, juste ici, là vous cliquez dessus, vous activez les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube, c'était MXWay, ride in peace. Moi j'aurais fait l'autre trou, j'y ai pensé cette fois-ci, ça c'est cool. Bon en tout cas j'espère que vous sur YouTube vous avez kiffé le live. Attendez, on va aller voir ça. Je suis pas allé voir ça, tiens. Ranking. Quand il y aura du monde toute la soirée sur savoir, ça c'est cool. 8ème, je serai quand même monté 8ème. Mais bon, il y a encore bientôt au niveau Pro 1. Et sachant qu'au niveau de mes statistiques, my statistiques, on a fait 13ème place. On a fait 76% de podium tout de même. Hein. Que 24% de victoire par contre. C'est pas ouf, mais c'est pas si mal. J'ai toujours trouvé ton ride in place claqué. Ouais, moi aussi, mais ça me fait rire. Je veux toujours avoir un petit autre trou. Voilà. J'ai pas d'intro, donc moi j'ai une autre trou. Bonne soirée, Lucas. À la prochaine. 45ème, Tintin. Pas mal, pas mal. Bien remonté du coup. En plus, c'était dans la partie où tu remontes assez rapidement. Parce que tout le monde est bien serré dans les classements. Tu vois, le mec devant toi, il a 3, 1 point de plus, après il a 2 points, après il a 3 points. Tu prends encore, remonte encore plein de place. C'est encore ma team qui est en tête. C'est possible, je suis tout seul dedans. Donc ça aide. Ouais, toujours. Top 20. Ouais, après, il y a beaucoup de monde qui arrive là, qui reviennent jouer. Il y en a pas mal qui commencent à avoir beaucoup de courses. Guillaume qui a déjà 105 courses. Il y a pas mal de gens qui commencent à avoir pas mal de courses. À remonter 94 courses pour Axel. Comme quoi, ça veut rien dire le nombre de courses. Hein. Genre là, il y a le 61ème Mathieu Blanc, il a 94 courses aussi. Ça veut rien dire. Ça permet de niveler tout. Bon, en tout cas, j'espère que ce live vous aura fait plus 3h16 de live précisément. Je sais pas combien de followers. Merci à tous, ça fait plaisir. Merci à tous qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne soirée, bon appétit pour ceux qui vont manger, parce que moi aussi j'ai faim, donc on va aller manger. Et bon, on se dit à la prochaine, on se donne rendez-vous très vite pour reprendre un petit live. C'était MXWay, ciao, bonne soirée. Seen ya in a week. I thought I needed time to think. Kept your picture in my pocket. Doesn't that mean something? Baby, tell me if it's too late.